croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal. C'est combattre, détruire les forces du mal. Ouais, bon, on va éviter le strike alors. Ah, c'était pour le plaisir, enfin, on va remettre ça. Voilà. Et c'est parti. Bon, il est 6h01, il est à peu près l'heure, et puis on va dire que c'est bon. Salut tout le monde, bah, bienvenue dans la forge, hein, comme d'hab, merci de nous rejoindre. Salut Carnoc, salut Zaknir, c'est gentil de passer faire un petit coucou. Donc comme je disais, bienvenue dans la forge, on continue les bricolages, les expérimentations, les délires bricolistiques. J'espère que vous allez bien. Mais carrément, on va faire une petite parodie, là, forgeron survivant de Twitch, si je survis un jour. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comme je disais, j'espère que vous allez bien, j'espère que le retour de le congé... Pour ceux qui l'ont eu de ce gros week-end du 15 août, c'est bien passé. Moi j'ai pu bosser un petit peu aujourd'hui, j'ai pu avancer un peu sur notre personnage, notre mascotte en mousse, le petit bonhomme en mousse. Et vous pourrez même remarquer que j'ai même pas osé cette fois-ci mettre la musique du petit bonhomme en mousse pour cette fois. Elle reviendra peut-être faire un petit tour après, on verra bien. Avant de commencer, la vérif obligatoire, hein, est-ce que le son est bon, est-ce que on m'entend bien, pas trop de musique, pas trop de micro, etc. En attendant, bon, théoriquement, je vais avoir un petit peu encore de... je vous annonce un peu le programme, on va dire. Merci Zaknir pour la confirmation. Et bon, dans ce cas-là, Carnoc, on te fera plaisir, hein, on te mettra le petit bonhomme en mousse alors. Tout à l'heure, à la pause. Et la musique est pas mal. Bah écoute, c'est encore la même que d'habitude, hein. J'avoue que, encore une fois, niveau playlist, je me suis pas trop embêté cette fois-ci. Donc on continue sur musique jazzy, etc., etc. Et en même temps, c'est ce qui me détend bien pendant que je bricole. Alors, petit point sur la session... pardon, la session du jour. Aujourd'hui, on termine le montage du bonhomme, c'est-à-dire que... Vous allez voir, d'ailleurs, je vais mettre en fond un petit à côté. Hop là, voilà. D'accord. qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on finalise le bonhomme, on finalise la structure, on va dire, du personnage. Tout de suite après, on attaquera la personnalisation, parce qu'il faut encore découvrir, en fait, hein, ce qui... il faut... la mascotte que je veux créer, le petit personnage Chibi, en fait, hein, savoir de qui je voulais m'inspirer. Donc on va attaquer ça, on va faire un petit peu de collage, je pense. Il y aura... ça sera à peu près tout, parce qu'en plus, je vais finir pas trop tard, on va dire, la time limit, ça va être à peu près 20h. On va essayer d'avancer là-dessus. De toute façon, passer les premières étapes de la customisation, il y aura aussi une grosse partie de peinture, enfin de préparation à la peinture. Ça sera un truc que je devrais faire à côté, offline, pour vous éviter les 3 heures d'attente entre deux couches d'après. Après A2P, hein, après avant quoi. Sinon, on va peut-être s'y mettre quand même. Alors, hop, passage en mode personnage, en mode de bricolage. J'ai avancé. Hein, pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est-à-dire hier, j'avais fini de coller la tête, enfin les morceaux principaux. Moi, j'ai juste avancé un petit peu à côté en rajoutant donc la pièce du cou. Hein, ce qui va faire notre articulation du cou. Et sur les bras, en fait, même chose, les articulations du bras. Que dire de plus? J'ai poncé aussi, pas mal. Je suis passé. J'ai pas pu faire la vidéo, donc c'est pas un gros drame parce qu'au final, j'aurai un petit peu de ponçage à faire aussi, j'espère, tout à l'heure.
Donc, bon, j'ai essayé de poncer, d'affiner un peu les angles, les bordures, pour dire de pas avoir trop de trous, trop de... comment dire? Trop de... essayer d'avoir un truc assez propre, quoi. Donc, voilà. Bon, j'ai déjà percé un trou pour l'articulation. Bon, j'en ai gardé un pour vous montrer, mais bon, le principe est simple, hein, pardon. L'idée était de pouvoir fixer le bras, hop, voilà, dessus. Comme ça, le personnage peut prendre la position. Enfin, le bras du personnage peut prendre la position qu'on veut. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va attaquer tout de suite la partie. Enfin, le trou du bras. Et puis voilà, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. On attaquera ensuite la personnalisation. Donc je vais mettre ça de côté. Pour l'instant, ça va là. Voilà. Je vais me préparer ma pierre à aiguiser, mon cutter. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien pour vous. Hop là, je me prépare. Donc je disais par ce beau temps, enfin du moins par ici pour une fois dans le nord il fait beau, donc je sais pas, moi je suis allé me balader, je suis content, ça fait du bien. Donc bon, j'ai oui que j'explique quand même ce que j'ai fait, ça serait dommage de partir un peu en vrille. Ça roulotte. Donc j'ai repris le patron que j'avais préparé pour découper donc ma pièce latérale, hein, le côté. Et dedans j'avais déjà un repère bon, qui date de l'époque où je faisais des bras directement collés, donc pas articulés. Vu que j'aime bien essayer d'améliorer à chaque fois mes bricolages, si je reviens, enfin si je refais un bricolage semblable, j'aime bien tirer pas partie de mes erreurs, mais tout du moins essayer d'améliorer je sais pas comment dire, ouais, d'améliorer, on va dire, la fabrication. Bon, là, la dernière fois, donc, sur un ancien personnage, comme je disais, j'avais une zone rectangulaire que je venais coller, en fait, qui simplement délimitait la zone à en coller. Bon, là, vu que je voulais lui faire une articulation, je me suis juste servi, en fait, de la découpe ici pour centrer le cercle, hein, qui représente l'articulation. Donc, au final. Alors, est-ce qu'on voit à l'écran? Moi, je vais essayer de montrer un petit peu plus près. Voilà. Au final, donc, j'avais tracé d'abord le rectangle et après, j'ai posé mon cercle que je vais découper pour pouvoir poser l'articulation, comme je disais. Bon, je vais monter un petit peu le son parce que moi, j'entends pas la musique et je l'aime bien. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. Normalement, c'est l'une des dernières découpes. Ça doit être même la dernière découpe dans ce personnage-là. Parle au niveau de la forme de base, hein, pas pour la customisation, la personnalisation. Okay. Attention les doigts, hein, quand vous faites ça. Alors, faut éviter, enfin, je vais essayer d'éviter la bêtise et de faire tomber ma chute à l'intérieur du bonhomme. Okay. Hop là. Si je peux, voilà. Je vais tout de suite mettre, il est là, un petit coup de papier à poncer, donc grain assez fin. Pour dire d'affiner l'arrondi. Je crois que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Alors, vérif, est-ce que ça passe? Ouais, nickel!
Ah. Alors l'articulation que j'ai montée ici, elle est peut-être coupée un tout petit peu, enfin un millimètre plus court, ce qui fait que ouais, elle tient mieux dans ce bras-là que dans celui-là. Bon, comme à chaque fois, hein, c'est de l'adaptation, on essaye de faire pour le mieux. Donc voilà ce que ça va donner. Ah oui, donc pour info, hein, j'ai préparé aussi, j'ai affiné le trou du coup. Est-ce qu'ils tiennent bien debout tes persos? Ils sont assez stables. Oui, alors en fait, tac. Je sais pas comment dire. Voilà, là je le pose debout. Le problème c'est que je peux pas montrer à la caméra exactement. Mais oui, en fait, c'est vrai que le problème d'une grosse tête comme ça, c'est le centre de gravité. Pardon. Disons que si on s'amuse pas à taper dedans, bon, ils vont tenir debout. Vu que hop, ici le dessous, je suis passé quand même un peu aussi au ponçage. J'ai un truc bien droit en fait, si tu veux. Donc au final, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Au final, j'ai un bon plat. PLAT, enfin. Oui, plat. Qui me tient le personnage debout, quoi. Au besoin, bon, il faudra peut-être que je remette un petit coup de ponçage à la fin, je sais pas, à voir. Oh, peut-être, un léger coup de ponçage. Bonne question, mais au final, la tête, elle est peut-être volumineuse, mais elle n'est pas très lourde, elle est creuse, enfin, du moins, elle est pleine de vide, un peu comme moi. Donc, du coup, non, ça tient bien en général. Ouais, exactement, aussi, au besoin, ouais, on peut lester les pieds aussi. Je t'avouerai que sur les personnages que j'ai fabriqués, j'ai pas eu ce besoin jusqu'à maintenant. Sachant aussi que avec les quelques zones de matière, enfin le peu de matière que je vais rajouter, ça va aussi, ben, ça va être principalement sur le corps, donc ça va alourdir et baisser, enfin ça va alourdir le personnage et baisser le centre de gravité aussi. Mais non, t'as tout à fait raison. Ça, on pourrait le faire. Ah mais de toute façon, le corps n'est pas fermé, je te dirais. Vu que j'en ai pas le besoin, je le vois, que je le montre pas, qu'il est toujours posé. Comment dire, je ne ferme pas le dessous, si tu veux. Oui, j'ai triché. Hop. Mais sinon, imaginons qu'ici ça soit fermé. Rien ne nous empêche de nous servir du trou du cou pour aller balancer un peu de sable dedans ou des choses comme ça pour dire d'alourdir le truc, pourquoi pas. C'est pas bête. Bon, notre petit personnage, moi je vais en profiter pour boire un petit coup de flotte vite fait. Voilà. Donc, on en est. Attends, je vais le mettre quand même à la caméra. On en est là, bah voilà, on a fait. On a notre perso, on a un truc à peu près propre qui est prêt à quasiment être customisé. Je réfléchis vite fait, non, dans l'ensemble, tout est fait, il n'y a plus qu'à. Donc c'est maintenant qu'il va falloir passer, hop, j'attrape ça, par la case, ben, créer un mousse. Et salut Elia, bah écoute, merci, merci de venir, c'est gentil. Bah coucou à toi et merci de nous rejoindre. Bah écoute, on est sur la customisation, enfin on va attaquer la customisation du petit perso. Hein, le montage est fini, hein, comme tu peux le voir. Avec bras articulés, il y a toutes les options, bras articulés, tête articulée, la totale. Je viens de voir la notif de quoi? Ah, peut-être par rapport aux événements et tout ça, je sais pas trop, enfin, je sais jamais comment ça marche ces trucs-là. Donc comme je disais, maintenant ça va être bah, la customization time. Je te l'ai dit, Alia, je ne connais pas Twitch, donc des fois je me fais un peu dépasser, je me laisse un peu dépasser par ça. Que disais-je, dit-il donc? Oui, donc personnalisation, faut que je reprenne un peu. Eh bah merci pour le host, c'est gentil. Donc, on va attaquer la customisation. Pour ça, il va falloir que je découpe donc des morceaux de créa mousse que je vais venir coller sur mon personnage. Oui, bah, écoute, hein, on découvre. Hein, c'est un métier tout ça, hein, puis c'est pas le mien. Donc là, bon, bah, ça va être un peu le moment tant attendu de découvrir ce que j'avais envie de faire. Donc,
Petit retour en arrière depuis samedi soir, donc je me suis tapé un délire, enfin on s'est tapé un délire avec le Zamon. Et puis donc, ne sachant pas quoi fabriquer, est venue l'idée de fabriquer un petit bonhomme. Donc ben voilà, ce petit bonhomme c'est celui-là. Donc c'est celui qu'on va customiser maintenant. Et alors, roulement de tambour, j'en ai pas, mais on va se mettre une petite musique, une bonne grosse musique pour découvrir que ça va être. Alors, une petite seconde, parce que forcément, rien n'est préparé. C'est où? Musique. Hop. Ta-ta-ta-ta. Ouais, je sais, c'est à l'arrache. Allez, tiens, on va mettre ça. Très original. J'aime bien. Le problème, c'est qu'on entend pas tout ici, il y a un problème de son. Et donc, qu'est-ce que c'est-il donc? Ah, le suspense me tue. Voilà, qu'est-ce que c'est-il donc que j'avais envie de faire? Bah, comme je l'avais dit, en fait, depuis hier, avant-hier, etc., etc., j'ai laissé quelques indices, finalement, depuis dimanche dernier. Me dis pas que je me suis encore bourré de boutons, non, vous m'entendez bien là quand même. Mais c'est possible, Carnot, que je me sois trompé de bouton. Non, théoriquement, non, ça va. Bah non, bah en fait, les indices, c'est quoi? Bah, vous êtes dessus. Ouais, parce qu'au final, hop, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Non, c'est bon, tu vois, ouais, voilà. Bah voilà, j'ai envie de m'amuser avec un petit One Punch Man, un petit Saitama en fait, qui m'a fait marrer. C'est la révélation du siècle, bah ouais. Le truc débile, mais ça me fait marrer en fait, ça m'a fait marrer d'imaginer un petit personnage comme ça en chibi. Et au final, ben, ça va être un peu le délire du moment, ça va être de customiser, de simplifier, on va dire, ce personnage-là. Oui, ben, c'est... Oui! Bon, ouais, ben, écoute, je suis désolé, hein, j'ai essayé de faire durer le suspense et tout ça, mais bon, ben, disons que... Ben, j'en sais rien, en fait, non, je ne suis pas bon en suspense, voilà. Et non, Carnot, ce n'est pas Zamon, c'est One Punch Man. Si je voulais, ça serait un Zam... Éventuellement, on pourrait faire un Zamon Punch Man. Pourquoi pas éventuellement à la fin, on verra bien si on peut s'amuser. Toujours est-il que... bon, je vais me remettre quand même. Voilà. Et puis on va le mettre. Voilà, il va nous surveiller. Oui, bah en fait, l'idée, ça va être justement de simplifier un personnage qui est déjà relativement simple d'ailleurs, pour essayer d'en faire un chibi. À la sauce, bah, comme j'ai dit, comme j'ai fait pour le Deadpool, comme j'ai fait pour le Batman, ça va être le délire. Bon, je vous avouerai que j'ai un peu triché, j'ai pas non plus attendu, enfin, je vous ai pas attendu pour préparer bah, des patrons, des plans. Donc, bah, dans l'idée, ça va être quoi? Ça va être de lui coller hop, un œil que je doublerai. Ça va être de lui coller hop. Voilà, j'y arrive. De lui coller, c'est dans ce sens-là. Non. Ici, ça ira mieux. De lui coller des gants. De lui coller, hop, des bottes. Une ceinture, ce qu'on verra, qu'on fera après. Et de lui coller un petit. Bon, je vais le mettre comme ça. Hop, on va tricher un peu. Voilà. Voilà. Grosso merdo, ça va être le principe de ce personnage. Oups, si je mets la caméra, ça serait mieux. Ça va être la customisation, la personnalisation simpliste du personnage. Je vais remettre en caméra. Alors attendez, hein. Hop, triche, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, le personnage est relativement simple. Donc moi, ce que j'ai prévu, c'est de lui faire donc des ben, bottes rouges, gants rouges, le petit. Ah oui, c'est vrai que vous me voyez plus du coup. Le contour de col du col et l'ouverture sur le devant en blanc. La fermeture éclair, parce que je trouve ça rigolo de la faire
en mouse, quoi. Et bah donc il y aura simplement les deux yeux. J'avoue même que en voyant l'image de référence, j'aurais tendance peut-être même à modifier l'œil pour ne pas avoir. Je reviens à la personnage là. Donc j'aurais tendance à peut-être à modifier l'œil pour ne pas avoir le truc trop ovale, mais un peu le regard ahuri qu'il peut avoir de temps en temps. Je trouve ça assez rigolo aussi. Quitte même peut-être, je sais pas, avoir. Oui, bah ça y est, vous le voyez là, ici. Peut-être, on verra bien. On réfléchira peut-être pour les yeux, justement, le mettre de côté. Enfin, je sais pas, on verra ça. Pardon. Allez, bah du coup, je rebois une fois. Voilà. Donc le principe, ça va être quoi? C'est. Et voilà. Le principe, ça va être quoi? Ça va être simplement de lui coller, de lui, pardon, découper des accessoires, les décorations ancrées à mousse, de recoller ça par-dessus et de peindre le tout à la fin, en fait. Hein. Il n'y a pas de secret, un petit peu de boulot qui prend pas énormément de temps. Oui, j'ai un chat dans le gorge, écoute, oui, j'aurais peut-être pas dû le manger d'ailleurs. Donc oui, c'est un peu de boulot qui prend pas, enfin, un peu de temps quand même, mais bon, c'est assez simple, vous allez le voir, et c'est rigolo parce qu'au final, on va voir au fur et à mesure notre personnage se monter. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends tous mes patrons. Voilà. Toi, le petit bonhomme, bah, tu vas dégager, tu vas être couché pour l'instant. Et donc, alors là, peu importe hein, la couleur de créa mousse que. Miaou! Peu importe la couleur de créa mousse que vous utilisez, de toute façon, à la fin, ça sera fin. Alors, pour repère, j'ai oublié de l'expliquer ça. Je vais me découper donc, des morceaux de mousse pour recouvrir les jambes, les bras, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est que sur mon patron, je me suis préparé, je me suis laissé une petite zone supplémentaire. Ça va peut-être mieux sur un fond plus sombre. Je me suis laissé une petite zone supplémentaire parce qu'au final, y a encore l'épaisseur de la mousse qu'on va coller ici sur le côté. Voilà. Ici, le devant, il y aura forcément un bout de mousse ici sur le côté. Donc automatiquement, il y a une épaisseur de mousse qu'il va falloir recouvrir. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus couper directement une bande complète. J'espère que vous me suivez. Je pense que vous comprendrez en fait au fur et à mesure quand je monterai. Ouais, toi, hop, va te coucher. Alors forcément, je me suis préparé une version main droite, enfin une version main droite. Je ne vais pas faire un patron main droite, un patron main gauche, vous imaginez bien, et pareil pour les jambes. Je reporte les deux versions, quoi. Enfin, je double pour en avoir une de chaque côté, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, devant le bras, derrière le bras, ça va être la même pièce. Devant la jambe, derrière la jambe, pareil. Donc, au final, il va me falloir 4 pièces de bottes, on va dire. 4 pièces de gants. Et puis on va déjà faire cela, on verra bien après pour le reste. Alors si j'ai pas paumé mon crayon, il est là. Voilà. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que j'avais même préparé un biseau, mais je vais. Voilà. Je vais même l'ignorer. Enfin, pas un biseau, mais ça allait un peu de façon. Enfin, pas forcément droite. Je vais même essayer de faire des pièces entières, ça sera plus simple. Des pièces rectangulaires quoi. Donc opération mesurage, hop, on va dire 4 cm. Voilà. Donc pour info, la créa mousse, vous pouvez trouver ça. Moi je trouve ça chez magasin de dans un magasin de comment on appelle ça? Art créatif, loisir créatif. Pickwick hein, pour pas le nommer. Je trouve ça sous forme de feuilles au format raisin. Mais on peut trouver aussi format A4, on peut trouver un peu à tous les prix. Moi je touche ça à combien? Je crois que c'est une quinzaine d'euros les 10 feuilles de format raisin.
Hop. Voilà. Bon, mesurage. Il fait 5 cm. Bon, je vais me préparer tout de suite des morceaux, bon, ça sera fait. Tac. Bon, comme je disais, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez des vacances pour ceux qui en ont, que vous ne travaillez pas trop pour ceux qui n'ont pas de vacances. Non. Alors ça, non, Carloc. J'étais surpris par le smiley en fait. Non, on n'en trouve pas en magasin de sport, pas à ma connaissance, tout du moins. Magasin de sport, c'est plus pour les tapis de mousse, pour les. Donc que ça soit les tapis de gym ou la mousse Eva, un peu plus dense. Pour l'instant, non, ça je ne trouve pas en magasin. Bon, je vais quand même les noter. Donc ça sera G pour gants. Voilà. Ensuite, les bottes. Bon, je vais quand même prendre ma mesure, ça sera plus simple. Donc on va dire 4 aussi. Par 10. Allez. Hop. Allez, ça est à main, on regarde, attention. Tu dis quoi par 6? Alors. Oups, je me le fais. 8 et 24. Et tu commençais par l'autre, c'est pas grave, il y aura un peu de gâchis. Hop là. Alors ça, j'ai dit que ce serait les bottes. Le B. Voilà. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Alors ça, qu'est-ce que c'est, ce patron-là? Je vais reprendre mon petit bonhomme. Peut-être elle va dégager là. En fait, je me suis préparé donc un patron un peu plus grand parce que ça va être une pièce que j'ai envie de passer par-dessus, de placer pardon par-dessus et de rabattre sur le devant. Donc forcément, je l'affinerai quand elle sera finie, enfin quand elle sera posée. Mais l'idée, c'est vraiment de recouvrir le tout et ben, justement de cacher un peu, on va dire, les misères qui se trouvent ici, ben, les raccords un peu disgracieux, quoi. Puis de toute façon, vu que la tête va être posée dessus, on ne verra pas forcément les raccords. Disons que c'est une petite précaution supplémentaire. Et salut Kimes, bah écoute, bienvenue, merci de nous rejoindre. C'est gentil à toi, j'espère que ça va bien. Installe-toi et bah, profite. Donc comme je disais, oui pardon Kimes, je te fais un petit retour vite fait, un petit topo vite fait. On a fini le personnage, enfin. Le montage tout du moins du personnage en mousse de base. Maintenant, bah, c'est le moment de la customisation. Et non, j'ai pas mis mon sosie en photo, j'ai mis mon objectif en photo. C'est-à-dire que bah, voilà, c'était le gros suspense, hein, de la semaine. On attendait tous la révélation. En gros, bah, l'idée, c'était de faire un petit One Punch Man, un petit Saitama version chibi. Donc bah, voilà, là j'attaque la personnalisation. Mon sosie en photo. Bah non, j'aimerais bien, moi, être aussi fort que Saitama, quoi. Ça déchire, ça. On va pas faire de gâchis, je vais coller là-dessus. Hop, hop. Voilà. Je trace juste les contours. Voilà. Hop.
Bon, cette pièce-là, j'aurais pas besoin de la nommer, vous imaginez bien que j'en ai pas 17, quoi. Hop. Voilà, voilà. Bon, je vais me préparer celle-ci aussi tout de suite, ça sera fait. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être le zip, la fermeture éclair, hein, qui va venir par-dessus la déco à l'avant. Donc je vais essayer de gagner un peu de place, on va le mettre là-dedans. Voilà, ça devrait passer. Un peu, voilà. J'aurais qu'une découpe à faire à la fois. Oups. Dû mettre quelques aiguilles pour le tenir, mais bon, ouais. À l'arrache comme d'habitude. Alors, ce trou au milieu de mon patron, et ben dis donc, je dessine pas en fait directement sur cette pièce là, c'est une pièce supplémentaire en fait que j'ai envie de fabriquer et de recoller encore par-dessus pour donner un petit peu d'épaisseur, un peu plus d'épaisseur à cette décoration, quoi. Donc bon, je vais la reporter juste ici. Et voilà. Comme je disais tout à l'heure, pour l'œil, je vais attendre un petit peu parce que bon, j'ai besoin de réfléchir, de voir ce que je peux donner pour customiser, pour redonner un peu cet effet un peu ahuri qu'il peut avoir de temps en temps. Donc pour l'instant, je ne vais pas le découper tout de suite. Donc, mes patrons, je les mets tous là. Et bien maintenant, ça va être le moment du découpage. Hop. Bon, faites attention si vous reproduisez ça chez vous. Ça, c'est bon. Bon, là, la partie un peu plus chiante. Toujours galère de découper des arrondis. Donc. Là, ça, je vais la mettre au clair après. C'est durable. Bon. Hop, deux pièces. Moi, bon, je vais faire déjà tout de suite celle-ci. J'ai, comme je disais, hein, j'ai préparé des pièces pour le devant de la botte, pour l'arrière de la botte.
Mais j'aime bien, il y aura aussi des pièces pour les côtés de la botte, on va dire. Pareil pour les gants, etc. etc. Donc, bon, on n'a pas fini non plus avec la créa mousse. Hein, mais bah, je suis obligé de passer quand même par cette étape-là pour dire d'avoir un truc à peu près propre. Quoi. Enfin, pour réfléchir à un truc à peu près propre. Tac. Bon, tout ça, je vais essayer. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. La découpe est peut-être pas très très propre, très nette. Je vais affiner ça après à la Dremel. Voilà. Je reprends mon petit pépère. Je dégage la tête. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Les bottes sont ici. Donc j'ai préparé mes pièces ici pour le bas de la jambe. Ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la hauteur. Alors mon crayon, où est-il? Il est là. Je vais repérer la hauteur. Voilà, ici. Bon, c'est ça. Je vais faire la même ici. On voit bien. Je vais même tracer tout de suite. Ça sera la limite hein, de collage pour la botte. Même chose à l'arrière. Alors ça discute plus, j'espère qu'ils sont pas morts sur le chat. Moi qu'ils soient occupés. Hein. Voilà. Alors ce trait en fait va me servir à deux choses. D'une part à repérer pour au moment du collage pour positionner correctement ma botte, mais surtout, enfin, et aussi pour encoller là où il faut. Le problème avec la néoprène, c'est que si ça dépasse un petit peu sur les côtés, c'est un peu galère à enlever, quoi, surtout sur la mousse comme ça. Bon, je peux lui démonter les bras, donc c'est ce que je vais faire. Alors ça, c'est vache, Carnock. Ça, c'est super vache. Il est méchant avec moi. Donc, hop, petit repérage ici. Ici. Repérage là. Un repérage là. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Hop. Hop. Et qui est-ce qui enchaîne? C'est Vachard. Tac, donc la même chose, hein. Je prépare ici. Bon, c'est vraiment des points de repère dont je vais me servir après. Bon, on voit quand même, ouais. Là. Autre sens. Ouais, alors Alia, si tu nous rejoins, hein, faut pas mal prendre ce qu'ils disent. Enfin, faut pas mal interpréter ce qu'ils disent. Ils sont juste très méchants, voilà. Et Carnock, je te hais, voilà. Ça, c'est fait, c'est dit.
Boulot, boulot. Donc j'ai préparé les zones pour le pour les bottes. Je vais faire tout de suite aussi la même chose pour les bras, comme ça sera fait. Hop. J'ai dit que les bras venaient ici, comme ça, devant. Donc, j'essaie de caler avec mes doigts. Au besoin. Tac. On appuie dessus, voilà. Je crois que vous avez pigé le truc, hein. Je fais simplement tout le tour du de la pièce. Voilà. Eh ben, quelques mots d'amour. Il me semble qu'Alia, tu as mis un lien hier dans le chat pour un bricolage, pour une pièce ou je ne sais quoi. J'ai pas, en fait, j'ai essayé de la revoir, mais j'ai pas retrouvé l'adresse. Donc limite, tant que j'y pense, c'est vrai. Si tu pouvais remettre le lien, je serais curieux de voir de quoi tu parlais en fait. Je ne sais même plus à quelle occasion, mais je sais qu'il y avait un lien qui était passé. Hop. Voilà. Ah, Stalina, mince, je confonds. Bon bah voilà. Ouais, ma mémoire, hein. Non, Alina elle avait mis un lien pour demander plus ou moins conseil, on va dire, sur la fabrication d'un gantelet jaune, si je me souviens bien. Tiré de je ne sais plus quel jeu. Et non, mais Alia avait mis un lien un peu avant ça pour une créa, mais j'ai pas retrouvé le lien. Tac. Bon, je vais reboire un coup parce que je crève de chaud. Hop, ça va de côté. Bon, ce que je vais faire, c'est que donc j'avais préparé mes pièces pour les côtés. Ah oui, pardon, c'est vrai, excuse-moi. Bah, enfin, merci. Donc comme je disais, j'ai préparé mes pièces pour les côtés. Ce que je vais commencer par faire, c'est avant de coller cette pièce-là, je vais essayer de réfléchir 2 secondes. Et vu qu'il va y avoir une autre pièce ici, je préfère mettre le raccord sur le côté. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, je préfère mettre. Je me mets comme ça. Je préfère mettre le raccord sur le côté plutôt que visible par devant. Bon, je ferai tout ce qu'il faut pour le masquer, mais juste par précaution, je préfère poser d'abord les côtés et remettre celle de face après. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, avant ça, je vais préparer donc une pièce. On le fait minimum 8. Hop. Par 4. Je vais me préparer donc des pièces un peu plus longues, hein, de façon à ce qu'elles dépassent un petit peu devant, un peu derrière. J'affinerai au moment où elle sera collée. Donc je vais faire une pièce de, on va dire, 9 par 4. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4. Tac, toi tu vas là. Hop. Là je vais avoir... ouais, plutôt dans ce sens-là.
Hop. Rentabiliser le truc, j'ai combien là? J'ai besoin de 36, donc, là j'ai quoi, 41. Bon, on va se mettre, on va faire 4 pièces, ça ira très bien. Hop, ensuite 1. Il y aura du gâchis, mais c'est pas un drame non plus. Aussi, non, botte, pardon. Tac, 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 tac. Bon, rebelote, je vais recalculer, enfin, je vais mesurer un petit peu ce qu'il va me falloir pour les côtés. Donc, on va dire bon, à peu près 6 par 4 aussi. Ah, ça passera. Dommage. Bah, je vais mettre dans ce sens-là. Ça sera pour les gants. Bon, n'hésitez pas, si vous avez, comme d'hab, des questions, des remarques. Moi, ça m'occupera. Parce que là, au final, avec les G de devant et les G de côté, je risque de me perdre. Donc, hop, en fait, GC, GC, hop, et GC, hop, et ça, ça, botte côté, botte côté, botte côté, voilà. Hop. Bon, pour ce qui est de des bras et des jambes, théoriquement j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai Rome. Ouais, il vaut mieux, ouais. Donc maintenant, bah, ça va être comme d'hab, hein, étape collage, étape plaçage de, bah, de créa mousse. Sur la figurine. Oui, parce que j'essaie de réfléchir en même temps. Préparer ça.
Je vais me préparer ça. Je vais me préparer. Je vais sortir aussi votre super copain. Voilà. C'est-à-dire le sèche-cheveux. Je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de ça. Bon. Bah là, c'est attaquage hein, en collage. Avec ma colle qui commence déjà à en avoir un peu marre d'ailleurs. On va faire aller quand même. J'essaye de pas dépasser du trait, ça c'est du niveau maternel. Tac. Je vais essayer de coller le côté où j'ai, pardon, le côté où j'ai marqué pour éviter d'autres apparitions de traces, on ne sait jamais. Donc, voilà, ça va aller jusque là. Bon, l'intérêt de l'avoir fait un petit peu plus grand, c'est que je peux le tenir sans m'en mettre plein les doigts. C'est déjà ça. Moi, je vais essayer. Un deuxième pendant qu'on y est. Hop. Dit du bon côté, s'il vous plaît. Donc pour info, bah je pense d'ailleurs à ce dont on a déjà parlé, Carnoc. Ce genre de bricolage là, étant assez simple, ça permet de se faire la main pour donc sur des formes très simplistes. Et avant d'attaquer des boulots un peu plus gros, genre, j'en sais rien, un home, une armure, une arme quelconque, là tout est en angle. Hein, donc il y a quoi? Il y a 7-8 morceaux, on va dire, à coller. Enfin, une quinzaine si vous voulez même. Donc c'est assez sympa de se faire la main sur ce genre de truc quoi, ça va assez vite. Et puis on apprend assez vite comment faire quoi. Bon, c'est l'heure du sèche-cheveux. Hein. Je vais laisser dépasser un petit peu. Attends, je vais essayer de laisser dépasser un peu devant derrière. Comme ça, c'est toujours plus simple de. Enfin, ça sera plus simple d'enlever de la matière que d'en rajouter si je me trompe. Ok. Mmh.
Oups, j'arrive pas à suivre le dessus. Je suis sur le trait, je l'avais pas vu. Ouais. Donc, on étale bien. Bon, ce qui est pratique, c'est que ça fait un peu aussi cache-misère, c'est pratique. Quoi. C'est enfin, pas cache-misère exactement, mais lapsus révélateur. Mais disons que ça masque aussi les raccords un peu disgracieux des fois. Hop là. Allez, deuxième série. Comment mal cette colle. Bah maintenant vous savez qu'il y a une date de péremption là-dessus. Et voilà, c'est ça, cache-misère quoi, ouais. Bah, avant de peindre, hein, je vais quand même passer par une étape de comment dire, de masticage, on va dire. De mastic, tout court. Posage de mastic. Tac. Préparez-vous. Hop, c'est reparti pour le sèche-cheveux. C'est que quand je fais ça, il y a tous mes papiers qui volent autour. Hop, le dernier. Enfin, le dernier. De côté. Bon, avant la pause, je vais juste découper ça pour préparer, et puis ouais, puis donc ça sera l'heure de la pause, quoi, rapidement. Bien.
Voilà. Comment je peux faire pour vous montrer en même temps? Je vais tenir du bout du ciseau. Donc, bah, vous imaginez bien, enfin vous voyez bien. Je m'appuie sur la plaque en elle-même pour suivre le. Enfin, je me sers de la plaque pour me guider au niveau de la découpe, quoi. On voit bien là. Hein? Alors, j'ai un peu réfléchi sur si j'ai pensé à faire les jambes, genre bonhomme Lego. Ah, faire une articulation, pas bête. Faudrait réfléchir 2 minutes, mais ouais, c'est faisable. Hein. Ben, un peu dans le même principe de ce que j'ai fait pour les bras. Dans ce cas-là, il faut que tu prévoies une plaque ici. Enfin, un autre bord, et dans ce cas-là, j'aurais tendance même à mettre les extensions ici sur cette plaque-là, et vu que la jambe va être assez large, de faire le trou de fixation dans la jambe même. Donc, dans l'idée, si tu veux, tu aurais ici une plaque, un peu comme pour les Lego, hein, donc la plaque ici qui descend, et la fixation ici sur le côté, et tu viendrais encastrer la jambe dessus. Mais il sera plus cubique que... Bah, tu fais comme tu veux. L'idée, moi, je vous ai montré, c'est les persos qui me font marrer. C'est après, chacun fait à la sauce qu'il veut. Tiens, c'est encore mieux, d'ailleurs, de faire chacun comme on préfère. Non, c'est vrai que les miens sont déjà pas mal cubiques à la base, non? Enfin, assez angulaires, du moins. Ok. Là. Bon, ce que je vais faire, c'est quand même, j'y pense avant la pause. Rebelote, hein, je remets un petit coup de ponçage sur les bords pour lisser ça. Ce qui est cool avec la crème mousse, c'est qu'elle se ponce super bien. Bon, le temps de laisser sécher la colle. Vérifie une dernière chose. Non, ça c'est les gants, la botte. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai assez. Donc le temps de laisser sécher un peu la colle. Je vais prendre 5 minutes pour aller nettoyer mon pinceau, me préparer un café et, comme dirait l'autre, cramer un elfe. Donc je vous abandonne 5 minutes. On revient, on continue la customisation tout de suite après quoi. Ne zappez pas, ou si vous zappez, je vous souhaite de tomber sur un bon programme par la suite. A tout de suite. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit de mettre la musique aussi pour faire plaisir à Zamon. Pas Zamon, à Caro, tu vois là. Le lapsus. Elle est où? Oh, y a rien de préparé. Il est là, voilà. Tac. Hop. Voilà. Tiens.
sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En partant, simplement, lui sourire. Pour le plaisir, prendre le temps en temps, le repère d'un âme, un enfant, et s'éblouir. Pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie, et faire plaisir pour le plaisir. Ne plus courber le dos, même pour réussir. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir, tout claquer d'un seul coup. On n'est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés. Il faudrait inventer un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 et rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait doux. Un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 et rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait doux. Il y aurait des professeurs amusants et farceurs, on
l'occasion. Faut nous laisser le temps de rêver. Il faudrait inventer un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 mais rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait du tout. Un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 mais rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait doux. Il y aurait de la musique pendant le bon vieux temps. Là, je baisse ça. Voilà, et on revient. Bon, c'était pour le délire, hein. J'espère que Carnot t'a apprécié pour le plaisir. Je baisse un peu le son, voilà. Et salut Alpha, c'est gentil de nous rejoindre. Tu vois, on a complètement pété les plombs et... je sais plus où on en est d'ailleurs. Bon, donc je bois un petit coup. La forme, ah oui, la forme de quoi, c'est la question. Ah, alors, que disions-nous donc avant la petite pause? Le brave Carnot qui nous demandait... oui, pour le perso, parce que j'ai réfléchi au cou, des jambes, les bras, comme tu as fait un peu... Ah, mais tout à fait, tu fais un peu ce que tu veux. pour info, bah alors donne-moi une seconde. J'arrive. Hop. Alors, le Deadpool. Alors voilà, je me mets en caméra. Et où elle est là, voilà. Alors pour rappel, hein, le Deadpool, lui, il était assez angulaire, angulaire, peu importe. Donc des angles assez marqués, assez prononcés. C'était mon tout premier perso. Après, comme je me suis amusé, toi tu viens ici, à décliner un peu, j'en ai fait une version Batman, donc automatiquement, lui il avait besoin d'oreilles, enfin de pointes, son chauve-souris, hein, ici. Comme on connaît, ici, voilà. Et puis pour ce qui est des oreilles, il y en a un qui est bien gâté aussi, voilà, c'est le petit Yoda. Là il a fallu aussi que je m'amuse à faire des oreilles un peu zarbi. Donc, c'est un peu libre. T'aurais tendance à faire qui ah bah écoute, c'est gentil, merci Alpha, c'est gentil. Donc attends, je vais essayer de montrer, voilà, ah ici. Donc comme je disais, viens ici toi. Non, la caméra elle est où? Ah là c'est embêtant, voilà. J'ai pas assez de recul, c'est embêtant, la chaise qui dégage. Ici voilà. Comme je disais, j'ai essayé de faire une petite différence, hein, au niveau de la taille de Yoda. En général, comme que je dis pas que des conneries, je pars toujours quand même d'un personnage de base, quoi. Enfin, d'une forme de base. Donc pour en finir avec ça, pour l'histoire des oreilles, les jambes, on a vu, on en a parlé. Les oreilles, tu pourrais tout à fait imaginer de monter ça encore une fois sur une partie qui tourne, hein, pourquoi pas. Il n'y a qu'à appliquer un peu ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, chercher un truc. Merci Alpha. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais toujours... Attends, je remets quand même. J'aime pas me voir en plein écran. Ah non, c'est pas ça. Je vais toujours loin dans mes idées. J'ai même pensé à faire la tête en deux parties pour mettre des charnières. Parce que... Waouh, ouais, pourquoi pas. Alors, par contre... dans ce cas-là, pourquoi tu n'essaierais pas de commencer par un personnage un poil plus simple? Attends, je tire ça, j'aime. C'est chaud. Un personnage un peu plus simple, et puis dans ce cas-là, tu attaqueras le Stitch peut-être après. Fais-toi la main peut-être sur un truc assez simple et enchaîne sur un personnage que tu aimes vraiment. Comme on avait dit, hein, au sujet d'un bouclier, il me semble, de Skyrim. Attaquer direct sur un truc avec des détails partout, dans tous les sens, si tu n'y arrives pas, ça risque de te rebuter et de te bloquer. Donc, comme la tête est mauvaise, je peux faire une tête simple un jour.
Ben voilà, voilà. Exactement, pourquoi pas. Ça, c'est carrément faisable. Disons que je suis d'avis de se faire plutôt la main sur un truc assez simple et après d'enchaîner, de complexifier, d'améliorer le truc à la suite, quoi. Je vais baisser le son, parce que par contre, j'ai un peu trop de musique maintenant. Mais tu as tout à fait raison, Carnoc, hein. Ça, je peux pas t'interdire tout ça. Enfin, c'est vraiment des délires qu'il faut garder, qu'il faut noter, quitte à crayonner derrière, de te faire un carnet de croquis ou note pour plus tard, quoi. Il faut garder ces idées-là. Par contre, si tu n'as jamais, enfin, j'étais seul, non. Si tu n'as jamais bricolé avant, je te dis, fais-toi la main déjà sur un truc un peu plus simple et voilà. T'apprends à marcher avant de courir, je crois, on dit. Bref, oh, et mon pinceau, j'ai oublié mon pinceau, donc il faut me donner une petite seconde, je reviens. La chanson de quoi? Bon, le pinceau n'est pas forcément bien nettoyé, mais tant pis, je prendrai le temps plus tard. Voilà. Bon, on va continuer à coller donc les bottes pour l'instant. Non, c'est là, c'est B. Tac, 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 voilà. On va coller les bottes. J'espère qu'on aura le temps de coller tout au moins les gants aussi. Sinon, j'ai mis où mon tournevis? Il est là. Sinon, bon, on verra. Hein. Sur moi, comme je disais, je vais essayer de finir vraiment pas tard, de ne pas vraiment finir tard. Vraiment. Bref. On verra jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Dépêcher un peu. Tac. Bon, comme je disais, hein, je préfère mettre le raccord pour les côtés. On en voit le moins possible. Bah finalement, je crois qu'on n'attaquera pas la peinture la fois prochaine, ça sera la fois encore après. Hop, c'est l'heure du sèche-cheveux. Ah non, t'envoles pas. Ah, quand on est trop pressé, on fait des accidents.
Donc... deuxième. Voilà. Allez, hop, le dos. Hop. Pas de questions, rien, ça va. Vous arrivez à suivre. J'ai un petit écart entre montrer et bah, le collage, mon collage de mousse là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste tricher un petit peu. Je vais viser pour rejoindre la hauteur de la mousse, quoi. Pas énorme, donc ça sera pas flagrant non plus. Bon, alors, faudrait vraiment avoir le compas dans l'œil pour une fois arrivé à la fin, zioter, enfin comprendre qu'il y a, y a eu triche. Tac. On appuie, voilà. Je me demandais qui l'a ferait, Carnock. Je te remercie. Bon, je vais laisser sécher ça pour l'instant. Je vais le garder de côté. Hop, on va le mettre ici. Et je vais attaquer tout de suite les bras. Ah, j'ai essayé de passer la seconde. Tac, ça devrait aller comme ça. Bah, c'était ce qui était prévu. Voilà. Mince. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Être trop pressé, voilà, on fait des bêtises. Bon, je vais coller celle-ci en même temps, ça sera fait.
Québec. Ok, moins qu'un même compas dans les deux yeux. Ouais, bah il y a deux pointes, un compas des fois. Oh bah ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur, la preuve. Tac. On appuie ici, donc j'ai dit, il me faut un côté. Côté. Hop là. Et un devant. Passe pas, tu pourrais finir. Quoi, tu réclames? Si tu réclames, c'est que t'as vraiment rien d'autre à faire de ta vie, c'est pas possible, quoi. Non, demain, normalement, je bricole sur autre chose, donc je ne serai pas dispo. Non, au pire, on finira dimanche, c'est pas. Ah! Bon, faut que ça colle au doigt. Hop! Je vais essayer de pas tout faire voler. Je vais manger des bisous pour ceux qui sont chez Zamon ce soir. Zamon live ce soir. Bah écoute, merci de l'info, je me souvenais plus. Bah à plus tard, Alia, au plaisir. Merci d'être passé. Et bon appétit, je crois que j'ai vu. Voilà, ça. Bon appétit à toi. Voilà. Tous les préparer, hein, au moins je suis tranquille. Il y en a un qui remet sa tondeuse en marche, c'est cool. Tac. Ah, mais arrête de coller au doigt donc. Voilà. Je vais installer ça, là, voilà. Alors que je dise pas de bêtises, que je ne fasse pas de bêtises cette fois-ci. Ouais, donc c'est le côté d'abord. Tac. Un. Et voilà. Bon, faut que je coupe d'abord ce qui dépasse.
Ah, trop pressé, trop pressé. Voilà, c'est pas grave. Et faut forcément, chose que j'ai oublié, il va falloir que je remette un petit peu de colle sur les côtés. Pas de soucis, fais ta vie, vis ta vie. Tac. Un peu devant. Histoire de bien appuyer, histoire de... Là, j'appuie bien plutôt, histoire de bien fixer la créa mousse. Hop, je rebelote, j'enlève ici ce qui dépasse. Je vais aiguiser ma pierre. Voilà, madame. Alors contrairement à ce que je suis en train de faire, l'idée c'est de prendre appui sur la mousse noire et pas de taper dedans, hein, forcément. Bon, on va poser tout de suite le dernier morceau, comme ça ce bras là sera fait. Je vais même profiter de mon petit excédent de mousse ici pour rabattre sur le poignet du bonhomme. Et je vais préparer tout de suite le deuxième bras. Alors cette fois-ci, j'essaie de pas me tromper, c'est ces côtés-ci à préparer. Okay. Et Karnok, tu vois, il n'y a pas eu grand changement hein, depuis que t'es... que t'es parti il y a 2 jours. Voilà. J'attaque le deuxième bras. En attendant que l'autre sèche. L'autre sèche, pardon. Voilà. Okay, je vais préparer aussi mes côtés. De l'autre côté-ci, ce sera plus. Ah, mais pourquoi tu m'embêtes, eux ? B, voilà. Et j'ai oublié d'en coller la plaque pour la bof.
Oulou. Bon, bah c'est le moment du sèche-cheveux. Et voilà. On appuie un peu pour fixer le. À bien saisir, on va dire. C'est cours de cuisine aujourd'hui. Voilà. Hop, deuxième bras, c'est parti. Ici. Alors, de l'intérêt de travailler dans un endroit bien éclairé, je voyais pas grand chose de ce que j'étais en train de faire. J'ai du mal à viser la ligne. Tac, j'appuie. Ah, il y a le col. Hein? Hop là. Un excès de colle que j'essaie d'enlever quand même, parce que c'est toujours chiant ça. Enlève au fonçage, mais bon, s'il y a moyen d'éviter. Hop là. Alors, on appuie 2 minutes. Voilà. Le temps qu'il sèche, je vais aller enlever ici ben, encore une fois l'excédent de créa mousse. Alors, j'espère que ça se voit là, la caméra. Voilà le petit ce qui dépasse quoi. Donc, rebelote, je vais jouer du cutter. Bon, tout ça, je vais l'avoir au ponçage aussi. Hein, le surplus, mais bon, essayer d'enlever le plus gros déjà à la base. Je vais essayer de faire. Enfin, je vais essayer d'éviter de faire des bêtises. Le reste, je le ferai à la Dremel en fait. Tac, les poubelles, c'est là. Donc ça a séché. Je vais encore une fois enlever le trop-plein.
Oui, bah faut penser à aiguiser de temps en temps l'instrument. c'est pas faux, car il faut penser à la nettoyer de temps en temps. Bah, c'était le cadeau d'anniversaire que je me suis fait, donc je peux te dire que je suis content de pouvoir m'amuser avec, hein, maintenant la Dremel. Hop là. Allez, on va coller ces morceaux-là. On va essayer aussi, avant de finir la séance, de coller la décoration du col là, sur le personnage. Et puis, bon, bah, on arrêtera là pour aujourd'hui. On va voir. Même chose, on ne sait pas exactement où ça va nous mener tout ça. On se vraiment avoir mal, hein, la colle. Hop là. Ah non, première option, Carnoc. Jusqu'à maintenant, j'avais la Dremel bas prix, premier prix, machin. Dans ce coup-ci, justement, pour le cadeau, je me suis dit que j'allais investir dans du vrai matos. Donc non, une vraie Dremel. D'ailleurs, ça fait bizarre quand tu l'as, comment on dit, débox, unbox. Wow, c'est trop beau, quoi. J'en ai une vraie maintenant. Bravo Alpha, well done, bien joué. Ça fait du bien de plus être la cible pour une fois. Oui Kernog, bah écoute, j'espère, oui j'espère qu'elle va durer parce qu'au final, bah attends, je finis juste avec ça et j'expliquerai après. Désolé, je me marre. Oui, donc je disais, bah le problème de l'ancienne, c'est pas qu'elle n'a pas tenu. Je l'ai encore là en stock. J'ai peut-être même un petit bricolage avec le moteur, etc. dedans. Enfin, j'ai envie de la réutiliser. Le problème, en fait, c'est que, bah, comme un idiot, en ponçant, bah, moi qui utilisais des gants en latex à ce moment-là, j'utilisais un flexible, en fait, pour pouvoir manipuler plus facilement l'outil. Et bah, l'outil, justement, s'est pris dans le gant en latex et ça a serré le moteur, quoi. Enfin, ça a serré, non, le flexible, justement. Donc, vu que j'ai voulu racheter un flexible
No Name, c'est impossible à trouver. Donc je me suis dit qu'il était temps d'investir dans du vrai matériel, quoi. C'était la petite histoire hein, du soir, voilà. Alors. Hop, donc, leçon à retenir, hein, quand vous utilisez une Dremel, un truc comme ça, bah, faut le faire sans gants, latex. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Non, je pensais donc réutiliser le moteur de la Dremel pour en faire une, je sais pas, peut-être une sorte de Gatling. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire une Gatling, j'en sais rien, steampunk ou futuriste, je sais pas encore. Donc hein, la grosse arme avec le qui tourne dans tous les sens là. Donc ça pourrait me servir de moteur justement pour entraîner ça peut-être. Faut que je réfléchisse un peu à ce que je peux en faire. Bon, allez, hop, on va encore une fois enlever ce qui dépasse. Là, ça va. Oui, j'ai déjà vu, enfin, Kuro-chan, là, je sais pas ce que c'est, mais oui, j'ai déjà vu des Gatling de points, ça pourrait être rigolo. Mais le problème, c'est que la Dremel, la fausse Dremel que j'ai, elle est sur secteur. Donc, je vais pas me balader avec une rallonge de 50 mètres. Je vais essayer de prévoir un objet qui puisse rester sur place, quoi. Alors, je reprends ça, je vais juste enlever le trop-plein de mousse ici, voilà. Tac, tac. Ah, madame, elle commence à en avoir marre aussi. Oh, dis donc. Et qu'on vieillir. Mais c'est dans quoi, ça, Alpha? Hop là. Et c'est un animé, un manga. D'accord. Bon. Petit tour d'horizon. Non, c'est l'autre bras. Alors, je les repère un T4 quand même. Bon, voilà où on en est. Éviter de vous montrer mon crâne aussi, ça serait bien. Voilà où on en est pour l'instant avec notre petit bonhomme. Oui, Tipou. Attends, je bois un coup vite fait. Non, c'est pas mes os qui craquent, ce coup-ci, c'est la bouteille d'eau. Hein. Bon, histoire de ne pas l'avoir fait pour rien. Je vais quand même m'amuser à coller donc le petit reste hein, de petit air du machin de Little Big Planet. Peut-être aussi, bah, tout ça c'est le procédé, c'est le principe hein, du chibi, c'est le petit bonhomme, la grosse tête, donc ça on le retrouve de façon assez courante quoi. Donc comme je disais, je vais juste essayer de coller celui-ci, bon ben histoire qu'on finisse sur une note, voilà, c'est rigolote. Juste histoire de me faciliter la tâche, je vais tout de suite, hop là, enlever les coins. Voilà. Je vais même mettre un petit coup de ponçage léger vite fait.
casser les angles. En appliquant le cosmos. Voilà, c'est le principe des chibis. Quoi. Bon. Pour l'instant, on va y démonter la tête et les bras. Donc, je vais juste faire une vérif. Tac. Voilà. Donc, ça se rabattra comme ça en fait devant. Hop, ce que je vais faire, mon crayon, il est là. Je vais pas en coller tout de suite. Je fais un repère, voilà. Là, ça sera pour plus tard. Néoprène devient vraiment pâteuse, c'est vraiment chiant. Pour appliquer, c'est galère. Bon bah vous le savez, hein, si vous ouvrez un pot, pensez à le finir assez vite, quoi. Et la tête, alouette. chauffer la néoprène. Non, non, j'aurais tendance à dire non. J'ai jamais testé, hein, mais j'aurais tendance à dire non. Le problème, c'est qu'il y a des solvants dedans, donc produits chimiques à fond. J'ai pas envie d'en mettre plein la maison, quoi. Non, le problème, c'est que éventuellement, je sais pas, j'imagine, on pourrait peut-être essayer de réfléchir à trouver les solvants qui sont dedans et en remettre un petit peu par-dessus pour remélanger. Mais j'avoue que non, je sais pas trop ce que je peux y faire. Bah déjà, dans l'idéal, il faudrait que je me fasse un petit pot, en fait. Un pot de travail, si on peut dire. Pour pas laisser celui-là ouvert en permanence, comme ça éviterait de gâcher pas qu'elle s'évapore le temps que je travaille, quoi. Demain. Allez hop, c'est reparti. C'est ce que je pensais faire justement, Kernok. C'est pas bête du tout. Les grands esprits se retrouvent. Je pensais justement préparer pas mal de petits bonshommes de base, comme ça après il n'y avait plus qu'à customiser. Ouais, c'est au niveau du stockage. Je t'avoue que chez moi je commence à être vraiment très limité. Ou alors faudrait que je creuse un nouveau tunnel peut-être, je sais pas, il faut voir.
salut Clacherne. Bah écoute, merci de nous rejoindre, c'est gentil. J'espère que ça va bien, que la reprise a été agréable. Bah, écoute, tu arrives donc sur... tu arrives un peu sur la fin de l'émission du jour, parce que je vais vraiment pas tarder du tout. Et donc, ouais, tu peux constater l'avancée du petit personnage. Et si tu es un tout petit peu observateur, tu peux même voir ce que ça va être. C'est-à-dire, là, ici, voilà, juste là. Donc, on s'amuse avec un petit Saitama. T'as raison, c'est ça, t'as trouvé. Hop, j'arrive. Repère. Oui, donc c'est Saitama. Bah, comment dire, j'ai déjà tapé dans le comics, j'ai tapé dans le Star Wars, donc avec Deadpool, avec Batman, avec Yoda, je me suis dit, allez, pourquoi pas taper dans le manga. J'ai pris dans ma nouvelle émission du moment. J'ai pas compris. Cette colle, enfin je pense à en changer quoi. Alors que je la liquide vite fait. Qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Bah vas-y, dis, bah balance, dis un peu. Je t'avoue que dans 5 minutes j'aurais déjà oublié de quoi on parlait. Chauffard québécois. Wow. Hop là. Allez hop. Oups, j'ai fait des bêtises. Mettre par là. Dire ça à Alpha quoi. Alpha, le Roméo. Hop. Allez. Attache. On va mettre à peu près droit. Voilà. Bon, on appuie un peu. What the track? Ah, mais on voit encore le sommet de mon crâne. Mais c'est chiant, cette caméra. Je voulais me faire tatouer derrière. J'aurais grillé. Bon, tac, 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 tac. Je vais juste finir avec, faut bien que je refasse un peu le trou derrière de. Du coup, hop. Hop là, bon.
Hop. Et voilà. Bon, c'est très grossier, mais ça, ça se récupère, il n'y a pas de souci. J'aurai ça au ponçage. Hop. Hop, un petit coup de papier à poncer ici, vite fait. Parce que je suis consciencieux. Bon, le temps que je finisse ça, je viens d'y penser. J'avais une petite surprise là pour le clasher hein, d'ailleurs. C'est que je l'ai mise. Hop là, voilà. Mettez d'ici passe. Je lui fais un petit coucou comme ça. Attends, la musique. Voilà. Ça. Là. On va mettre ça. C'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Escroc mignon, gentil frimeur, sa vérité c'est la malice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacré pouille, coquin, coquin, renard, chenapan, sacré pouille, sacré vaurien. Renard. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main. Alors c'était pour la blague, hein. J'espère que ça te fait bien marrer avec la chouille. Kima, c'est un PCQ. Ok. Ah bah salut Alia, rebonjour. J'espère que t'as bien mangé. Tu vois quand Clashern est là, il y a Alia qui débarque, hein, y a des trucs à se demander. Hein. Merci pour la baffe. Ah oui, alors là par contre, il y a que les vieux qui peuvent connaître, j'ai l'impression, parce que. Oui, c'est du vieil. Je ne sais même pas, Clashern, si toi t'as connu ce truc-là. Donc les petits hauts à côté, j'oserais même pas croire. Quand on arrive en ville, tout à fait. Quand on arrive en ville. Bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, là, on en est sur la fin de l'épisode du jour. Ah oui, 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 c'est vrai que ça passait sur M6, en effet. On en est donc au niveau de la customisation, bah on a quand même pas mal avancé, mine de rien. Okay, je vais remettre ça là, voilà. Wow, tu viens là. Alors non, c'est pas Green Lantern, hein. Je rappelle hein, qu'on est sur un Saitama, sur One Punch Man. Viendra par la suite donc la petite fermeture éclair qui vient par-dessus. Hop, avec la petite déco en plus. Il y aura encore à faire la ceinture, la boucle de ceinture, les yeux, forcément. Il y aura à voir peut-être pour la cape aussi. Bon, je commencerai à réfléchir là-dessus la prochaine fois. Toujours est-il que, vu qu'il y a quand même pas mal de boulot en fait qui reste là-dessus, et puis que là que je suis attendu, d'ailleurs je vais être un peu à la boue, je vais pas tarder à arrêter. Qu'est-ce qu'on nous dit à côté? Je vais essayer de voir ce qui se dit dans le chat. Mirana, c'est connu. Bien sûr que je connais. Ah bah oui, bah tu me rassures, non, mais des fois je serai encore plus vieux, beaucoup plus vieux que ce que je croyais. On commence à voir la forme. Un pain, c'est tout. Ok. Oui, c'est vrai, d'accord, je comprends le One Punch Man, c'est vrai. Bref. Comme je vous disais, j'attaquerai donc la prochaine fois, je finirai pour le
pour la ceinture, pour la boucle de ceinture, pour les yeux. Je crois que je vais laisser ça de côté jusqu'à la prochaine. Je ne vais pas avancer des masses de mon côté. Comme ça, je pourrais vous montrer aussi un petit peu les étapes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, bah voilà, voilà, tout est dit pour la journée. Moi, je vais arrêter là. Je vous remercie d'être passé, d'être venu voir, puis d'avoir discuté un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Rendez-vous normalement dimanche prochain à 18h, sauf si, comme Kernock le disait, bon, je me décide pour faire un live exceptionnel supplémentaire, mais ça va être que des exceptionnels, donc ça va plus être exceptionnel. Bref. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je lis le chat en même temps, je devrais pas. Peut-être, on verra demain, après-demain, je sais pas, on avisera. Toujours est-il qu'au plus tard, on se retrouve donc dimanche à 18h pour la suite du personnage. Ce soir, il y a Zamon, le copain Zamon, qui fait un live sur, bah, sur la Zamon TV. Donc Twitch slash Zamon, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. En attendant, bah, je vous remercie donc, d'être venu. Je vous remercie de... des nouvelles sur le Facebook de la Forge du Geek, d'aller voir les tutos sur le YouTube, allez je fais un instant promo, hein. De mettre des Tipeee, mettre des... je sais pas, je sais que c'est plein de mots que les gens ils disent d'habitude, ou des tiponches, voilà c'est ça. Donc voilà, merci, à bientôt, bonne soirée, bonne semaine, bonne continuation et tout. Je vais essayer tiens, de vous mettre une petite musique pour la fin, on verra bien ce qu'on peut trouver. Bah, en attendant, voilà, bah, à la prochaine, quoi. Merci! Tac. Musique pour la fin. Allez, tiens. Jaune d'un cacitron, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Il court, il roule, il est malin, c'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man, Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une pack gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sourd sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man, Pac-Man s'en sort toujours, toujours très bien. Rond comme un ballon, il plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man, Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est Pac-Man, Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est Pac-Man, Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est Pac-Man, Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Il est en danger, mais il est toujours prêt. Vite une fac d'homme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un titran, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man, Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man, Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur, il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une pack d'hommes, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur, vive Pac-Man. Et bien voilà, récréa de dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui.
qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En partant, simplement, lui sourire. Pour le plaisir, prendre le temps en temps, de refaire nana à l'enfant et s'éblouir. Allez, on en laisse parler. Préférer être bien dans sa peau que sourire.